Je vais vous proposer un extrait du début du livre. L'autre fois, quand j'étais en Sirabé, j'ai lu un extrait du premier chapitre. Je lis ici un passage du deuxième chapitre. Vaza, parmi les Vaza, débarque dans la capitale Antananarive, la plaque tournante des affaires du pays, la porteuse d'eau, si on préfère, le carrefour, le passage obligé, la ville des liens avec l'extérieur. Touamassine, à premier port sur la côte est, Ansirabé, Ambouchtre, Fianaransu, des hauts plateaux, Tuliar du sud-ouest, Majenga du nord-ouest. Vaza pénètre dans la ville des liens de l'espérance avec le monde, dans une ambiance qui se voudrait internationale, tout en conservant son tempo si singulier, intraitable, ses démarches, son bordel et ses manies. Il s'enfonce dans cette porteuse d'eau de commerçants tout genre, trafic, opérations claires et moins claires, grandes et petites arnaques, dans les rues étroites toujours sans projet sérieux d'élargissement. Il nage sans savoir et sans bouée, dans un capharnaüm, une cacophonie irritante, délirante, fascinante, dans une circulation permanente de piétons, véhicules de toutes les trempes, modes divers de transport d'hommes, marchandises dans tous les sens. L'étranger par le ventre, l'esprit comme il l'entend, se perd parmi les étals de viande, ses colliers de saucisses suspendus, poulets, canards, pièces de zébu, filets accrochés au fer en messe, entrecôtes, lard, des os et des gras, et leurs mouches en veux-tu en voilà, hachis exposés, manipulés, raclés à la spatule, la main, les doigts imprégnés jusque sous les ongles, sur les comptoirs carrelés, les verdures de toutes les sortes, de la laitue à la frisée, en passant par le persil, la menthe et la coriandre, toutes les variétés de brettes, carottes, courges, tomates, poivrons, concombres, aubergines, pommes de terre fermes et farineuses, choux-fleurs, poros, navets, piments rouges, verts, jaunes, oranges, le maïs et le manioc, fraises, oranges, bananes, mandarines, ananas, mangue, papaye, goyave, pommes, citron, lentilles, fèves des marais, haricots blancs, rouges, pois chiches, pois du cap, embrasse des yeux, du nez, panier de crabes et de crevettes, les sacs de riz devant les échoppes, sur les camions, sur le dos des hommes, de bras en bras, devant, derrière, à gauche, à droite, la bousculade, le taxi bébondé, ouvert par les portes arrière, le contrôleur debout sur le marchepied, qui elle, Analakel, Anouche, Tsaralalan, le vendeur impassible de briques et de brocs, carnet, piles, crayons, stylos, papier, divers ustensiles de cuisine en inox, fer blanc, plastique de couleur, les pavillons, les boutons, petits, moyens et grands, les lacets, tirettes, fils, aiguilles, tissus, rouleaux d'emballage, cadeaux et rubans, boutique de bijoux tenus par des caranes, plus loin, pris en sandwich, entre la vendeuse de citron qu'elle tient dans un panier en équilibre sur sa tête et la vendeuse de miel vendue en bouteille. À côté, la vendeuse de bâtons de vanille, oui, tout interpelle, des pains, des nèfles, les écharpes, les jeans et les chemises, peignoirs et robes de jour ou de nuit, les nattes enroulées, les balatomes et vinyles, toutes les panoplies de CD, DVD, VCD, originaux ou piratés, les montages de chaussures suspendus par les lacets, les boutiques d'accessoires jolies jolies, savon à lessive, shampoing, vernis, toutes les panoplies de déo importés à souhait, le vendeur de chaussettes, celui de cigarettes, jus de fruits frais, serpillières, seaux, ramassettes et balais, livres d'occasion, la rue, de l'autre côté de l'avenue, sur les marches, plus haut, le vendeur de seaux, tampons et cachets, le gamin qui chante d'une voix claire en gris, en grattant une guitare déglinguée, le vieillard voûté sur sa canne ou sans canne qui vous tend la main, Tunga soit bienvenu, plus haut, dans le square, les gazettes, quotidiens, cartes postales, le cireur de souliers, les taximens. Non, non, merci, beaucoup. Misots, Betsakat, Simila, pas besoin. Demi-tour, sens inverse la volée, les yaourts, l'eau vive en bouteille. Le biberon vide d'une maman sans répit. Le biberon plein d'une maman satisfaite, c'est direct. L'enfant à la guitare, le vieillard, les seaux, cachets, tampons à nouveau, avant la dernière marche, des briquets. Vers la gare, les vendeurs de lunettes solaires, les valis, écoutez, c'est joli, c'est bon prix, c'est moins cher. Carte routière de l'île, dictionnaire franco-malgache, tennis malagasy sans peine, des enfants innombrables, des mères la galère, dévergondés, voyous, débrouillards, encore et toujours par groupe de 6 ou de 8 hilars, criant à tue-tête, Salama cadeau,
nos bonbons argent, s'il vous plaît, azafade, monsieur.